Abonne-toi et active la cloche. Pour regarder mes vidéos cuisine, il nous faut la ciboulette. Logique, hein? Bon alors, ben je fais tout simplement des filets de limande avec de l'huile d'olive, du beurre. Voilà, que je vais faire venir. Voilà, le filet limande, c'est très très fin. Et j'ai mis de la persillade avec tout simplement du beurre et je fais revenir. Alors, il faut savoir que les plaques à induction, c'est tout de suite. Hein. C'est en 2 secondes. Hein. Ça chauffe en 2 secondes. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre les épinards. Tchou, lou, nous, on s'en fout de vous. Vous pouvez tout. Voilà. Voilà ce que je vais manger. Alors ça, en 2 minutes, c'est cuit. Hein. Oui, en 2 minutes, c'est fait. Je vais mélanger avec des frais en même temps. Bon, on va remettre un petit peu de beurre. Voilà, one again. Hein. Voilà le beurre. Vous voyez le beurre. Et voilà. Mes petits épinards. Ah ben, j'en ai pas beaucoup. Hein. Très sain. Voilà mon petit repas. De la limande avec des épinards. Voilà. Vous savez ce que je me laisserais tenter? Je me serais bien tentée par de la mangue. Allez, on y va. Ouais. Alors, je ne vais pas en mettre trop. Voilà, j'éteins. C'est en... Alors, on ne va pas se prendre la tête, vous savez quoi? Moi, je ne suis pas trop... Voilà, je rebranche. Voilà. Hop, voilà. Merde, il y a un schmilblick dans le potage. Bon, je redébranche. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, c'est ma peinture, comme vous pouvez constater. La belle vie. Ça, c'est Enjoy Phoenix. Je l'ai acheté chez Enjoy Phoenix. Live and Claude. Voilà. Et on va... Allez, alors là, par contre, ça va être un peu plus chaud. Allez, je vais mettre la mangue. Voilà. Alors, les épinards sont même du sel. Voilà. Du sel d'ail. Vous savez quoi? Je filme comme ça à la one again parce que je n'ai pas de... Voilà. Et on va mettre un peu de persillade. Voilà. Ensuite, on va touiller. Voilà, j'avais envie de mettre un peu de mangue. Moi, j'aime bien les goûts un peu exotiques, un peu bizarres. Vous voyez, j'ai complètement haché le poisson. Il est ultra frais. Il est complètement destroy. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai mis de la mangue, de la limande, des épinards, de la persillade, du sel d'ail, du paprika fumé, d'ailleurs je vais en remettre. Voilà, du paprika fumé. Et voilà, alors franchement l'induction c'est vite, c'est immédiat. Hein. Le gaz aussi, hein. Voilà, bah, mon petit plat est prêt. Alors, vous savez quoi? Parce que je trouve que ça manque du jus. Du citron, je vais mettre de la clémentine, du jus de clémentine. Je pense que ça va être top de chez top. Alors, on coupe. Et vous savez quoi? Couper d'une main, c'est loin d'être facile. Hein. Comment vous dire que, voilà, je vais mettre de la clémentine.
et de la mangue, de la clémentine, faut aimer le sucré salé. Alors demandez-moi la recette, c'est la fête Sibylle la Parisienne. Voilà. Ma chaîne bientôt va s'appeler Sibylle la Parisienne. Pour l'instant non, mais comme ça vous saurez. Voilà. Et là, eh bien, on va faire revenir un petit peu. Voilà. J'aimerais bien, voilà, je vais baisser un peu. Voilà, 80, je vais baisser un peu. Et voilà ce que je vais manger. Je vais me régaler. Voilà. Donc, il y a du jus de clémentine, de la mangue, des épinards frais. En fait, c'est des pousses d'épinards que j'ai payé 1,29€. De la clémentine, de la mangue, du paprika fumé, de la persillade. Et voilà mon repas. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a l'air bon. Attendez. Voilà. Bon, c'est sûr que le poisson, il est... Mais c'était voulu, hein, parce que j'aurais très bien pu laisser le poisson comme je voulais. Hein. Voilà. Hop. Alors. Donc là, du coup... Eh bien, voilà, je l'ai nettoyé et je vais la ranger. Voilà, et je vais manger ceci. Là, vous avez de l'eau chaude. Pourquoi j'ai de l'eau chaude? Parce que quand on a un bungalow, quand on a un lumbago, eh bien, il faut se débrouiller. Et du coup, moi, il faut que j'ai de l'eau chaude. Du coup, je verse l'eau chaude dans mon shaker, dans mon truc, et je le mets contre moi. Alors bien sûr, la bouteille elle est déformée, c'est tout à fait normal. Vous le mettez ici, vous avez mal, moi en l'occurrence c'est là, parce que le lumbago est là. Voilà, alors je ne suis pas maquillée, mais vous avez vu, je ne suis pas un teint fatigué non plus. Par contre, mon truc il est... Voilà. Ouais, bon ça va, hein. Je ne suis pas maquillée, c'est pour ça. Mais je ne suis pas blanche, hein, ça va, hein. Bon, ben, vous voyez, puis je ne vais pas me laisser mourir de faim. Hein. Bon, ben, du coup, cette plaque-là, que j'ai utilisée avec une main, je vais péter le truc, moi. Attendez. Oui, je peux danser. Tiens, mon cul, oui, je peux pas danser. Oh, j'ai dit un gros mot. Bon, je le goûte. Ok. Ça va, c'est un fait. C'est bon. C'est une tuerie, j'ai fait ça en 5 minutes. Un peu trop salé. Ouais, je me suis pas rendu compte. C'est délicieux. Ça a du goût. Ça a du goût, ça a de la saveur. Alors, du coup, il m'en reste un petit peu. Ça a beaucoup de goût, hein. Dommage que j'ai mis trop de sel. Mais c'est bon quand même. Comment vous dire que c'est délicieux, filet de limande. Et du coup, je vais manger ça en dessert. Et ça, c'est bouillant. Je vais m'en servir comme bouillotte. Voilà, sur ce, bah, je vais me finir de manger. Je vous aime. On va aller voir Ivy où elle est. Je vous présente la princesse Ivy dans son univers. Ivy, tu réponds? Ivy, pépé, oui chérie, mais oui. Voilà, elle est bien, hein, regardez. Voilà, elle est dans son univers. Oh, tu regardes là? Oh, tu regardes là? Et mon bébé. Non, regardez ça. Non, mais regardez les pattes. Je vous dis, elle est croisée avec un autre chat. Je ne sais pas ce que c'est. Il m'a dit le vétérinaire, mais je ne m'en rappelle plus. Mais regardez les pattes énormes qu'elle a. Regardez ça. C'est la pluche. Et là. Alors,
Ça va, mon bébé? Fais un bisou. Fais un bisou. Fais un bisou. Maman peut pas trop se baisser. Voilà, mon cœur. Voilà, c'était un petit coucou de Ivy en passant. Youpou, youyou, didou, Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous explique que c'est vrai que ma chaîne, mais ça je vous le redirai souvent, le nom de ma chaîne va changer, pas tout de suite, mais ce sera Sibylle comme d'habitude, sauf que ce sera la Parisienne parce que je suis née à Paris et je suis une Parisienne. Et j'adore Paris. Voilà, et je remange. Vous avez la mangue. Le jus de clémentine, les épinards. Un paprika fumé, une tuerie, et c'est très sain. Voilà, voilà, un bon petit repas bien sain. Bon appétit, bien sûr. Abonne-toi et active la cloche.